Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre tirage pour les énergies pour la semaine à venir, donc la semaine du 30 août au 5 septembre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on arrive déjà en septembre, les vacances, les grandes vacances se terminent et la rentrée des classes, pour mon plus petit c'est déjà la semaine qui vient, le premier. C'est incroyable comme ces vacances ont filé à une allure incroyable. Et bon, c'est pas des vacances, on n'aura pas eu un été franchement magnifique. Hein. On aurait eu un temps presque d'automne, enfin du moins ici en Belgique. C'est pas un été mémorable. Comme autant l'année passée, on a eu un été super chaud, canicule. Cette année-ci, franchement, il va pas rester dans les mémoires, en tout cas pas comme un été merveilleux. Donc voilà, hein, en plus les vacances se terminent. Il y a peut-être un petit côté quand même... un petit peu nostalgique, des vacances, un petit goût de trop peu, le train-train qui va reprendre avec la reprise de l'école et tout le tralala. Donc voilà, ça va être une semaine chargée en émotions et tout ça et tout ça, enfin du moins de mon côté. Voilà, donc j'ai décidé d'utiliser, comme toujours pour les énergies générales, mon oracle Raw. Associé avec l'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric, je trouve qu'il parle très très bien, toujours avec l'oracle Aura que j'adore les couleurs de ces cartes. Et pour le petit conseil, j'ai décidé d'utiliser mes alliés de la nature. Et alors, l'autre, évidemment il est tombé en dessous du bureau, un petit message des papillons. C'est un petit jeu celui-ci que... Sincèrement, au tout départ, j'étais pas motivée, je sais pas, c'est pas un jeu qui m'attirait avec des papillons. Et au final, je l'utilise tous les jours pour tirer un petit message. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, petite aparté. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez le chapeau de sorcière en premier choix, le chat noir en deuxième choix, et cette fois-ci, j'ai ressorti l'araignée pour le troisième choix. Elle m'appelait, elle était sur mon bureau et elle m'appelait. Donc, je vais d'abord commencer par tirer les alliés, je pense, comme c'est la plus grande carte, où elle va tout cacher. Donc, pour les énergies de la semaine du 30 août au 5 septembre, oui, là, il y en a un peu beaucoup quand même. Septembre, qui est mon mois, le mois de mon anniversaire, le mois de l'anniversaire de mon moyen aussi... du compagnon de ma maman aussi. On a beaucoup d'anniversaires au mois de septembre. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le chapeau, pour ceux qui ont choisi, venez, venez, le chat noir. Et alors, pour ceux qui ont choisi l'araignée, zou. Alors, je vais mettre les papillons dessus. Hein. Comme ça, ce sera plus facile. Et ceux-ci, elles sont super petites, elles se mélangent super bien. J'aime bien. Alors, pour le chapeau, pour le chat, pour l'araignée, sinon, j'espère bien sûr que tout le monde va bien. Voilà. Alors, on va reprendre du coup avec l'oracle Raw. Que j'aime toujours autant, hein. Pour le divinatoire, il parle super bien, je trouve. Et il va être publié normalement. J'ai deux mains gauches, je crois, aujourd'hui. Je le fais tout tomber. Oula, oula. Bon. Je vais pousser ces deux-là, comme ça je sais les étaler. Alors, comme d'habitude, on va en tirer deux, hein, pour le chapeau. Deux pour le chat noir. Comme ça, on verra du coup les énergies de la rentrée. Et deux pour l'araignée. Voilà. Alors, l'oracle divinatoire. Non, l'oracle du sixième sens, c'est peut-être mieux. Oh, oh, bon, on va garder celle-là du coup pour le premier. Hein, puisqu'elle avait envie de venir. Ensuite, pour le chat. Des fois, on a des cartes qui sautent, des fois pas. Ça dépend. Pour le chat, pour l'araignée. Je vais essayer de trouver.
faut une petite place. Voilà. Et alors, il nous reste une petite carte de l'oracle Laura. Celui-là, là, tout de suite, en le mélangeant, je l'ai explosé. Je l'ai envoyé valser toutes les cartes. Ben voilà. Il suffit que je le dise. C'est incroyable. Il a envie de parler, lui, aujourd'hui. Il a une énergie débordante. Voilà. Bon, je vais l'étaler. Alors, pour le chapeau, pour le chat, et une petite dernière pour la reine. Voilà, voilà. Bon, je vais le déposer pas trop loin. Voilà, histoire de ne pas faire de catastrophe. Mon araignée que j'envoie valdinguer. Et on va commencer, mais du coup, par ceux qui ont choisi le chapeau de sorcière. On va commencer avec l'oracle Roi. Hein. Voilà, voilà. Bon, on a le feu vert et la voiture. Le feu vert, ben, bon, celle-ci, elle ne se lit pas à l'envers. C'est, vous avez... Comment dire, le feu est au vert. Vous, si vous avez des décisions à prendre, ben, on vous dit ici que le feu est au vert, c'est OK. Vous pouvez foncer, vous pouvez y aller. La voie est libre, j'ai envie de dire. Et la voiture, ben, c'est plutôt, ça fait plutôt partie des voitures. Peut-être que vous avez envie de vous acheter une nouvelle voiture, qui sait. Vous avez peut-être des frais à faire pour votre voiture. Ou vous avez peut-être un déplacement prévu en voiture. Ben, ici, on vous dira que... Le feu est vert, vous pouvez foncer, voilà. Je vais quand même une fois regarder dans le guidebook, je ne l'ai pas encore sorti, c'est là, mais il me semble que ça correspond à la voiture. Mais comme il y a un sens à l'endroit et à l'envers, dans l'oracle Ro, oui, c'est votre véhicule. Donc, vous allez peut-être avoir une décision à prendre pour votre voiture, votre véhicule. Et bah, enfin, ça peut être la voiture, ça peut peut-être être autre chose, ça peut être une moto, ça peut être plusieurs choses, mais un véhicule qui vous appartient, et bah, la décision serait au vert. Voilà. Peut-être que vous allez devoir faire, vous allez peut-être vous dire c'est le moment de faire l'entretien, ou c'est le moment de passer au contrôle technique. Enfin, je ne sais pas si vous avez ça en France, on me dit qu'on a ça. Ou vous allez peut-être devoir changer d'assurance, ou enfin, des petits trucs comme ça, on vous dit que le feu est vert, vous pouvez y aller. Voilà. Alors, ici, les discussions. Vous allez peut-être avoir des discussions cette semaine, ben peut-être par rapport à la voiture, justement. Peut-être à une décision à prendre par rapport à votre voiture. Peut-être que vous allez vous décider, je ne sais pas, comme je viens de vous dire, à changer d'assurance, changer de voiture, ou acheter une nouvelle voiture, ou peut-être à faire des rénovations, je ne sais jamais. Hein. Parfois, on attend et on se dit, oh ben, finalement, je la ferai bien repeindre parce qu'elle est fort abîmée ou des trucs comme ça. Voilà, donc vous allez avoir des discussions autour de ce qui touche à votre voiture. Peut-être aussi que vous allez vous êtes en parlement, vous parlementez peut-être avec votre conjoint ou pour acheter une deuxième voiture ou pour liquider une des deux, par exemple, si vous n'avez plus beaucoup de trajets, peut-être avec le télétravail aussi. Ou peut-être que vous allez... devoir prendre la voiture pour faire des nouvelles trajets, pour aller déposer peut-être des enfants dans des nouvelles écoles plus éloignées, des choses comme ça. Voilà. Alors, l'oracle Laura, on a l'amitié. Ah, ben peut-être que vous allez discuter avec des amis. J'adore cette carte, elle est magnifique. Peut-être que vous allez avoir des discussions, vous allez reprendre contact, papoter avec des amis, des gens que vous n'avez plus vus peut-être depuis un petit moment, peut-être à cause des vacances. Ça peut être aussi, par exemple, discuter avec des gens... quand vous allez rechercher vos enfants aux abords de l'école, des gens que vous n'avez plus vu forcément pendant 2 mois, vous allez peut-être avoir du coup, vous allez peut-être, discussion, ce n'est pas forcément négatif, hein, ça peut être des discussions de tout et de rien, comme ça peut évidemment être des petites discussions, des petites chamailleries, mais pas que. Ou peut-être que cette semaine, vous allez retrouver des amis que vous n'avez plus vu depuis un petit moment. Voilà, voilà. Alors, la carte des alliés, c'est le nain, cette fois-ci. En appréciant la compagnie et l'aide d'autres humains, tu peux découvrir à quel point cette belle expérience t'apporte une vision différente de la Terre et de tout ce qui vit. Bah, ça peut justement correspondre avec ça. Hein. Peut-être que, comme je vous ai dit, vous allez peut-être demander, discuter avec des amis d'une situation qui va peut-être vous aider justement à changer votre décision. Voilà, donc ça se tient bien tout ça ensemble. Et le messager papillon, c'est celui-ci. Il est beau. Et ça nous dit, j'ose rêver de choses merveilleuses que je souhaiterais voir se produire dans ma vie. Ben oui, voilà, rêver c'est encore quelque chose qui est gratuit. On a encore tous le droit de rêver, donc ben, osez rêver à des choses que vous avez envie qui se produisent dans votre vie. C'est un peu la loi de l'intention, hein.
On dit, hein, tout ce qu'on projette, on l'attire. Si vous voyez des belles choses, on attire le beau, c'est ce qu'on dit. La loi de l'attraction. Essayez de rêver à des petites choses que vous avez envie dans votre vie, des belles choses. Et bah, il n'y a plus qu'à espérer pour vous qu'elles se réalisent. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. Ma foi, ce sont des belles énergies pour cette semaine. Je vais les pousser. Hop, alors, on va passer à ceux qui ont choisi le chat. Je vais. Bon, comme ça, vous voyez tout. Oui. On va commencer avec l'oracle rose. On a le printemps et la poussière. Bah, le printemps, c'est la saison, hein, le printemps, c'est aussi le renouveau, la vie qui se réveille, les oiseaux qui préparent leur nid, enfin, pas que les oiseaux, les animaux, les fleurs qui reprennent vie. Peut-être que pendant les vacances, ben, vous vous êtes un petit peu assoupi, un petit peu mis entre guillemets, en hibernation, vous avez eu moins de monde, et peut-être ben, qu'il va être temps d'un peu dépoussiérer tout ça, de faire le ménage et de reprendre un petit peu le train-train de la vie, hein, l'action de la vie de tous les jours, l'école, le travail. Peut-être que c'est le moment aussi de reprendre de bonnes initiatives. Ça peut être pour l'école, ça peut être pour le travail, de reprendre le travail ou l'école avec de l'énergie, l'énergie nouvelle, hein, d'entreprendre de nouvelles choses, d'avoir la niaque en fait, voilà. D'avoir envie de reprendre sur de bonnes bases, de avoir la motivation du début de l'année. Voilà. Moi, je vois mon fils le plus petit, il a eu un nouveau cartable, toutes ses nouvelles affaires. Lui qui n'est pas très porté sur les devoirs et tout ça, il a mieux joué. Ben, je vous assure qu'avec ses nouvelles affaires d'école, comme chaque année, il est super motivé de retourner à l'école. Donc, c'est peut-être ça, l'énergie créatrice, l'énergie comme les arbres, les fleurs qui bourgeonnent, d'avoir envie de reprendre le chemin, de dépoussiérer un petit peu tout le chemin, de dépoussiérer tout le bazar pour reprendre le train-train quotidien. Voilà. Ça sent des énergies de rentrée, hein. Alors, de nouveau, le mensonge. On l'avait déjà tiré la semaine passée, je ne sais plus avec lequel des trois. Alors peut-être qu'ici, il va falloir peut-être se débarrasser peut-être de quelqu'un qui nous ment. Se débarrasser entre guillemets, on va pas l'assassiner, hein, blague à part, peut-être faire le ménage dans nos relations et peut-être ne pas garder les personnes qui sont pas sincères et honnêtes envers nous. Bon, si vous le savez, évidemment, hein, on ne sait pas toujours quand des gens nous mentent, mais peut-être que vous avez envie justement de nouvelles énergies, de faire le ménage dans votre vie, justement pour éloigner, j'allais dire liquider, mais non, pas liquider, pour éloigner les mauvaises langues de votre vie. Voilà ce qui me vient. La sagesse, ah, elle est jolie aussi celle-là. Et ben voilà, peut-être justement que vous gagnez en sagesse comme des nouveaux bourgeons, vous évoluez, une nouvelle évolution, et vous vous rendez peut-être compte qu'il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi, des personnes qu'il faut laisser derrière soi qui ne sont pas honnêtes. Et vous gagnerez de toute façon en sagesse. Vous évoluerez du coup du bon côté. Hein, vous aurez la sagesse. Voilà. Voilà ce que ça me dit. Et pour les alliés, vous avez la tortue. Je suis là pour t'offrir chaque jour une pensée d'amour pour que celle-ci puisse à son tour être donnée à ceux qui t'entourent. Comme c'est joli aussi. Eh bien, ayez de l'amour autour de vous pour les bonnes personnes, évidemment, pas pour ceux hein, qui nous mentent. Et ben, donnez beaucoup d'amour à vos proches. Ça peut être vos animaux, vos enfants, votre conjoint, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos amis, que sais-je, tout le monde pour qui vous avez de l'amour. Et ben, vous aurez forcément, normalement, de l'amour en retour. Voilà. Et pour le petit message du papillon, on a celui-ci et ça nous dit, je me donne la permission de mettre mon esprit en pause et de m'amuser. Ça nous donne plutôt comme conseil de retrouver notre enfant intérieur, de se dire, oh mince, les problèmes, les tracas, j'arrête d'y penser, je les mets un petit moment sur pause et je retombe en enfance, je fais des trucs que je trouve amusants, qui m'amusent, comme moi, parfois, j'envoie tous les problèmes, je les mets de côté et je passe un moment avec mes enfants à jouer à un jeu de société, à jouer au badminton, à aller faire une balade. Et bon, forcément, quand on est au contact d'enfants, ben, on retombe un petit peu
en enfance, ou à jouer avec eux à la console, enfin des trucs comme ça, on retombe forcément un petit peu dans son enfance et ça fait du bien de mettre ses soucis, ses histoires, toutes ces tracasseries, ou bien même tous les trucs qu'on doit faire, sur pause et prendre un moment pour passer du bon temps et pour s'amuser vraiment. Voilà. Et ça fait du bien également de faire ça. Voilà. Alors, je vais essayer de pousser le chat par là pour mettre l'araignée ici. C'était pas trop mal non plus, mais on sent les énergies de la rentrée. C'est très amusant. Alors, l'oracle euro d'abord. Vous voyez, oui. Alors, les ciseaux et les papiers. Décidément, le papier sort souvent. Les ciseaux, il va falloir couper un lien. Je vais juste regarder à l'envers, parce que bon, il y a l'endroit à l'envers. Moi, je dirais couper les liens. Où es-tu? Ah non, c'est quelqu'un qui va couper les liens, quelqu'un ou quelque chose. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, des documents, ça peut être par mail, par papier, bon ou pas bon, hein, mais ici ce sera plutôt à mon avis des papiers pour annoncer quelque chose qui se termine. Ça peut être, par exemple, ça peut tout simplement être des papiers comme quoi vous terminez votre bail, comme quoi votre assurance auto, je reviens encore, l'assurance auto se termine, je ne sais pas moi, votre formation se termine. Ça pourrait aussi signifier que vous perdez votre boulot, malheureusement, hein. Quelqu'un qui coupe les liens par papier, ça pourrait aussi être des papiers concernant la fin d'une relation, plutôt, par papier, ce serait plutôt des papiers, je dirais, peut-être plus des papiers d'avocat ou des papiers de divorce, des trucs comme ça. Donc, ou alors vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un qui n'a plus envie d'avoir de contact avec vous. Ça pourrait également, malheureusement. C'est un petit peu moins comique, ça, quand même. Alors, la chance. Eh bien, peut-être que pour vous, finalement, ce sera une chance. Mais je verrais plutôt, quelque chose qui se termine comme un bail ou une assurance ou un truc du style. Donc, on vous dit que ce qui va se terminer de toute façon, ce sera une chance pour vous. Voilà, peut-être que vous allez trouver une assurance moins chère, peut-être que vous allez trouver une maison qui vous plaît mieux, ou peut-être, par exemple, que vous allez vous dire, oh, vu que mon bail se termine, finalement, c'est peut-être le moment de chercher une autre maison, un autre appartement à louer, ou peut-être d'acheter aussi, qui sait, et que vous ne l'auriez peut-être pas fait si ça ne serait pas terminé, ou peut-être aussi que si c'est... couper les liens avec quelqu'un, ça peut peut-être être une chance pour vous, parce que cette personne n'était peut-être pas honnête non plus. Voilà. Alors, la ville, celle-ci aussi, je la trouve particulièrement jolie. Peut-être, du coup, que c'est peut-être quelque chose qui se passera en ville. Ouais, peut-être, comme... les papiers, peut-être quelque chose qui se passera en ville, du coup. J'adore cette carte, je la trouve super jolie, très moderne. Ouais, moi je dirais ça. Quelque chose qui. Évidemment, la ville, c'est le lieu. Hein. Ça peut être des nouvelles aussi d'un commerce ou d'un projet aussi, peut-être. Parce que, ou d'un travail, peut-être. Peut-être que vous travaillez en ville et du coup, ce sera peut-être quelque chose lié à votre travail ou à quelqu'un qui habite en ville ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce sera une chance pour vous, un nouveau départ. Alors, mes alliés de la nature, le faucon. Elle est jolie aussi, celle-ci. Dès aujourd'hui, tu peux appréhender ta vie avec enthousiasme et ne plus laisser les hésitations t'envahir, car tu as toutes les compétences nécessaires en toi pour choisir ta route. Ça peut aussi correspondre. Hein. Peut-être que justement, le fait de quelque chose qui va se... Je fais le signe des ciseaux, vous voyez. Qui va se terminer, se couper, peut-être ce sera une chance pour vous. Et du coup, peut-être qu'on vous dit d'arrêter du coup d'hésiter. Et là, on va vous donner un bon coup de pied au derrière. Vous n'avez plus le choix. Vous serez au pied du mur. Vous n'aurez plus le choix vu que ce sort a pris fin. Et vous serez obligé du coup de choisir une nouvelle route. Et ce sera que du bon pour vous. Comme je vous ai dit il y a 2 minutes, peut-être que vous ne l'auriez pas fait. Si vous ne seriez pas été tombé au pied du mur, justement. Voilà. Et alors, le papillon, un beau papillon vert. Et ça nous dit, j'ai un impact positif sur le monde, même avec un simple sourire ou un mot juste. C'est vrai, on dit souvent que
Rien que le fait de sourire, bah, ça peut rendre les gens autour de soi heureux parce que ça, c'est plus gai de voir les gens sourire. Un petit mot gentil, ça coûte rien. Un sourire, ça coûte rien. Et bah, ça fait plaisir autour de soi. Parfois, vous, sans le savoir, vous illuminez la journée de quelqu'un, vous le mettez de bonne humeur, vous lui remontez le moral juste parce que vous lui avez souri ou vous lui avez dit un petit mot gentil. Voilà. Par exemple, à la caisse d'un supermarché, parfois, vous savez, quand vous avez une grosse poussette, un gros caddie, vous mettez, il y a une personne derrière vous qui a juste un petit truc en main et vous lui dites, oh, bah, écoutez, allez-y, passez, vous avez que ça. Et la personne est tellement contente et vous aussi, en même temps, vous êtes content d'avoir fait une bonne action, entre guillemets. Hein, et voilà. Ben voilà. Moi, je trouve que pour cette semaine, ce sont des belles énergies, des énergies de rentrée. Hein, ça sent la rentrée à plein nez. Ben, du coup, je vous souhaite une très belle semaine, une belle reprise pour tous ceux qui reprennent le boulot, aussi pour tous ceux qui reprennent l'école ou qui ont des enfants qui reprennent l'école comme moi. Hein. Courage pour la rentrée, il faut reprendre le rythme. C'est pas toujours évident hein, quand pendant deux mois. On se l'est coulé un petit peu douce, le réveil va piquer les yeux un petit peu. Mais bon, voilà, il faut juste se remettre dans le bain et ça va aller. Voilà, ben je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé et le choix que vous avez fait parmi les trois. Ça me fait toujours plaisir de partager ça avec vous et de voir que vous aimez bien les guidances. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi si la vidéo vous a plu. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.